bang, boum, un gros boum. Je pensais que c'était les breakers, là, un transformateur qui sautait. Ce serait vraisemblablement des coups de feu qui ont réveillé cette femme de Saint-Calixte tôt jeudi matin. Wow. C'est vrai qu'il y a des drames qui se produisent un peu partout, mais c'est surprenant que ça soit proche. Mais dans notre petite localité tranquille et ainsi de suite, c'est surprenant. Les citoyens se montrent surpris lorsque nous leur apprenons que le corps d'un homme abattu par balle vient d'être découvert par des policiers il y a quelques heures à peine. Un coin de campagne comme un autre. On n'entend pas parler beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup plus de monde. On était 1500, moi, quand j'étais jeune. On est rendu 8000 près, là. D'autres sont en désaccord. Le quartier est loin d'en être un tranquille. Ça peut brasser dans le coin. C'est beaucoup de pauvreté, beaucoup de gens sortis de prison qui vont s'acheter des maisons par-ci, par-là, puis beaucoup de gangs. La drogue, la violence. Il y a pas mal de choses qui se passent. Notre collègue Maxime Delan de l'agence QMI a appris que vers 5 heures du matin, des policiers de la SQ s'apprêtaient à mener une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de la Montépinay lorsqu'ils ont découvert le corps de la victime à bord d'une voiture. Sur nos informations, la victime serait José-Éric Garreau, un homme dans la quarantaine connu des policiers pour plusieurs infractions criminelles commises au cours des dernières années. En début d'après-midi, des enquêteurs des crimes contre la personne se trouvaient toujours sur les lieux. Il n'y avait toujours pas eu d'arrestation. Également, le service de l'identité judiciaire qui est sur place pour faire la lumière sur cet événement. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Saint-Calixte.